Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler du tarif Webflow parce que c'est une question qu'on me pose très régulièrement. J'en ai eu quelques-uns dans les commentaires donc sur la chaîne YouTube, mais aussi des élèves de la formation qui débutent et qui apprennent Webflow ou tout simplement sur les réseaux sociaux. Je reçois parfois des messages me demandant de clarifier un peu la tarification Webflow qui quelque peu est un peu peut porter à confusion, mais pourtant elle est super simple à comprendre une fois qu'elle est bien expliquée. Donc j'espère que je vais faire ce qu'il faut aujourd'hui pour que ce soit plus clair pour toi. Je t'explique tout ça dans cette vidéo. C'est parti. Hello, moi c'est Kevin et aujourd'hui je vais t'expliquer comment comprendre la tarification de Webflow, comprendre un peu le business model qu'ils ont créé, qui est un peu particulier mais pas si compliqué à comprendre une fois qu'on te l'a expliqué de manière simple. Tu verras, ça va être beaucoup plus clair juste après cette vidéo. N'hésite pas à appuyer sur la petite cloche comme ça tu es notifié dès que j'envoie les 5 vidéos par semaine. Et donc n'hésite pas à me laisser un commentaire si tu as la moindre question et puis à t'abonner si tu aimes bien ce que je te partage. Alors aujourd'hui, donc je vais te montrer comment fonctionne la tarification Webflow. Et je pense que le plus simple pour pas compliquer les choses, c'est qu'on va aller sur le site de Webflow, aller dans la page tarif et voilà, je vais te montrer que ce soit le tarif pour le compte, parce qu'il faut créer un compte sur Webflow, ça c'est la première chose à savoir. Et puis à côté de ça, tu as l'hébergement Webflow, donc pour les sites normaux, et puis tu as l'hébergement pour les sites e-commerce. Allez, c'est parti, je te partage mon écran. Donc on se retrouve ici sur le site de Webflow, dans la partie tarif. Et donc ce qu'on va faire, c'est... Tu vas voir directement qu'il y a deux types de tarifs. Alors tu as d'une part à gauche ici les site plans, comme ils disent. C'est ce qui va concerner le site pour l'hébergement pour le site classique ou l'hébergement e-commerce. Et juste à côté, tu as account plans. Donc ça, c'est les comptes, ton compte Webflow en fait, pour utiliser leur interface, leur tableau de bord, tout ça. C'est le account plan. Donc, première chose à savoir, c'est qu'il faut en fait choisir un account plan pour commencer. Donc là, c'est super chouette de leur part. On peut créer un compte gratuitement. Donc, tu peux créer un compte gratuit sur Webflow et créer deux projets. Donc, avec ces deux projets, tu vas pouvoir faire un certain nombre de choses. Et si à un moment donné, tu vois que dans le projet, Webflow indique que tu peux pas aller plus loin ou que cette fonctionnalité n'est pas dispo parce que tu as un compte gratuit, évidemment à ce moment-là tu vas devoir passer à la formule supérieure qui est la formule light. Avec la formule light, ce qui est intéressant aussi, c'est que si tu tentes d'apprendre et que tu as quand même déjà quelques projets sur Webflow, eh bien tu vas quand même pouvoir créer jusqu'à 10 projets pour ce prix-là, donc 16 $ par mois. Et sinon, si tu vas plus loin, si tu commences à enchaîner les projets, à avoir vraiment plusieurs projets à ton actif, tu passes à la formule pro et là tu payes 35 $ pardon, par mois ou annuellement. Et là, évidemment, il n'y a aucune limite. Tu fais tout ce que tu veux, tous les feux sont ouverts, tu peux y aller. Donc voilà, ça c'est la première chose à savoir, c'est que tu vas devoir créer un compte Webflow. D'abord, un account plan, comme ils disent. Alors ensuite, donc ça c'est la première chose à faire. Donc là, tu vas t'amuser, tu vas créer par exemple sur ton projet gratuit, tu vas créer un premier projet. Tu vas ouvrir la plateforme et tu vas créer un petit truc à toi que tu as envie. Et puis tu vas pouvoir le mettre en ligne gratuitement avec un petit lien provisoire que Webflow t'offre. Et qui est sécurisé, qui est tout ce que tu veux, voilà. Tu peux l'utiliser, tu peux le partager autour de toi. Et il y a beaucoup d'ailleurs de projets qui sont tout simplement comme ça, parce que tu vas pouvoir le référencer sur Google, tu vas pouvoir l'utiliser comme un domaine, sauf qu'il y aura marqué partout webflow.tonprojet.com. Bref, voilà, ça c'est la chose à savoir. Maintenant, quand tu vas vouloir mettre ton nom de domaine à toi, donc ton nom de domaine.com, .fr, .be, n'importe. À ce moment-là, en fait, tu vas devoir payer la formule qui conviendra au projet. Donc, en fonction du projet, on va regarder ici les différents site plans qu'il y a. Donc, il y a le basique, il y a le CMS, il y a le business et puis entreprise. Alors, la grosse différence, parce qu'on ne va pas regarder dans le détail les différences qu'il y a, mais à savoir, ça va se jouer principalement au nombre de visites.
Et puis aussi avec l'option CMS ou pas. Donc si tu décides de faire un blog, la formule basique déjà, elle est dépassée, ça n'ira pas, il faudra prendre la formule CMS. Et alors, pour passer de la CMS au business, en fait, ce qui va jouer, c'est le nombre de visites et aussi le nombre de formulaires que tu vas pouvoir accepter. Donc 1000, c'est pour 1000 par mois, ça va être pour le CMS. Si tu dépasses les 1000 abonnés ou les nouvelles inscriptions à un formulaire, tu dois prendre l'illimité. L'illimité, alors du coup, tu passes en business. Et puis aussi, il y a une fonctionnalité, c'est un petit détail, mais la fonctionnalité upload, donc pour uploader un fichier dans un formulaire, n'est pas disponible dans le CMS, est uniquement disponible dans le business. Voilà, ça c'est les choses à savoir. Une fois que tu dépasses tout ça, tu passes à la formule entreprise. Voilà, et là c'est un tarif, voilà, il faut les contacter. Alors pour la partie e-commerce, c'est à peu près pareil. Mais là, ça va se jouer au nombre de produits que tu vas pouvoir mettre sur ta boutique en ligne. Donc, si tu as moins de 500 produits, la formule standard convient parfaitement bien. Si tu dépasses les 500, si tu en as jusqu'à 1000, tu passes à plus. Et si tu as plus de 1000, tu peux aller jusqu'à 3000 avec Advanced. Au-delà de 3000, je pense qu'il faut les contacter ou c'est peut-être pas dispo. Je ne sais pas trop. Je ne connais pas de site, j'ai jamais eu le souci. Sinon, point de vue option, on a quasi tout. Donc, ce qu'il faut savoir dans la formule standard, c'est que tu as une petite commission que Webflow va prendre à chaque transaction. Et à partir du plus, il y a zéro commission. Donc là, voilà, tout est dans ta poche. À savoir quand même qu'il y a toujours une commission de Stripe qui va prendre lui d'office une commission. Mais ici, c'est une commission en plus. Mais donc là, ça s'efface une fois que tu passes au plus. Voilà, donc là, on a les site plans, donc les sites classiques, l'e-commerce, et puis on a vu ensemble le compte Webflow que tu vas pouvoir créer gratuitement ou prendre une formule payante en fonction du nombre de projets que tu as envie de créer. Donc si tu veux te lancer en tant que web designer, je pense que la meilleure formule c'est de commencer en gratuit et puis de bifurquer au light et puis une fois que tu auras passé les 10 projets, tu prends le pro et puis là, plus limite, tu fais ce que tu veux. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que ça a permis de comprendre enfin comment fonctionne eh bien, la tarification de Webflow. Donc c'est un business model un peu particulier, mais au final, quand tu l'utilises, c'est tout à fait logique. Webflow, c'est d'une part un outil, mais aussi toute une partie hébergement avec aussi toutes les fonctionnalités qu'il y a derrière. Donc évidemment, tout ça, c'est un prix à part. Et donc c'est pour ça qu'ils ont deux formules. Tu as le compte et puis tu as l'hébergement Webflow qui est à côté. Voilà, n'hésite pas si tu as des questions, ça se passe juste en dessous dans les commentaires. Et puis sinon, on se voit demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!